Ah oui, mais que voulez-vous? Moi, je ne suis pas un lion, hein! Ah. Salut, madame! Bonjour! Comment tu vas bien? Ça va. Alors, je me présente, je m'appelle Chocolat. Je suis un des reines du Père Noël. Et bah, je suis de passage à Montmirail. C'est une ville vraiment charmante. Alors, je me disais, pourquoi pas y habiter? Pour mes vieux jours, par exemple, hein, après la tournée du Père Noël. Et du coup, bah, je fais un petit peu tous les commerces pour voir ce qui s'y passe, ce qu'ils présentent, pour pouvoir voir si je peux être heureux ici. Alors toi, tu fais quoi ici? Eh bien, moi, je tiens un bar, tabac française des jeux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, le bar, c'est où tu peux boire un café ou une petite bière. Ah, oh, ça tombe bien, oui. Ah, c'est génial, ça. Ensuite, tu peux jouer à des jeux de grattage et de tirage. Ah, ben moi, je joue souvent. Tu vois, regarde, je gratte. Ah oui, c'est pas les mêmes. Et on peut jouer avec ça, là. Oui, mais si toi tu te grattes, tu gagneras pas d'argent. Qu'avec moi, tu peux gagner de l'argent. Ah, intéressant. Voilà, donc en gros, c'est Salut. Ça. Eh ben merci pour tous ces renseignements. Comment tu t'appelles, au fait? Stéphanie. De Monaco? Non, de Montmirail. Ah, et tu fais des Monaco? Plein. Ah, eh ben peut-être un de ces quatre. D'accord. Je te souhaite un joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à toi aussi et à tous les habitants de Montmirail. Merci beaucoup. Allez, enfin, salut. Salut. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme. T'es qui toi? Ben moi je suis le boulanger. Le boulanger? Oui. Ah, et ça consiste en quoi? Parce que moi je suis nouveau ici dans la région. Je me présente, je suis reine du Père Noël. Ok. Et je suis en visite parce que la ville me plaît bien. Je me suis arrêté et peut-être que je vais vivre ici après passer ma retraite, on sait jamais. Alors je décide de voir un petit peu tous les commerçants et voir ce que vous proposez. Ok. Voir si je m'y trouve bien. Ok, bah super. Donc un boulanger, il fait quoi? Un boulanger fait pas mal de trucs, il fait du pain. Au niveau boulangerie, on fait du pain, on fait de la viennoiserie, tout ce qui est croissant, viennoiserie, brioche, etc., etc. Ensuite, on fait de la pâtisserie aussi. C'est vous qui avez fait la brioche du Père Noël? C'est moi qui fais la brioche du Père Noël en général tous les ans. Donc cette année, c'est pas moi qui la fera, dommage. Ah bon? Bah oui, parce que là, du belle brioche quand même. Hein. Du coup, il n'y aura rien quoi. Ah oui, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, c'est pas la même brioche qu'on parlait alors. Ah bon? Non, ah, non. C'est pas vous qui faites la brioche du Père Noël? Si. Avec tout ce qu'il mange, à mon avis, vous y participez. C'est sûr, oui. Ah bah c'est intéressant tout ça. Ah, puis ça me met l'eau à la bouche. Ah oui. Avec vous, on n'est pas roulé dans la farine, disons. Non, non. Bon, bah c'est super. Alors, je crois que je viendrai faire mes emplettes ici, hein, parce que ça sent vachement bon. Oh. Eh ben, okay. Merci pour toutes ces informations. Je vous souhaite de passer un bon Noël. Eh ben, pareil pour toi. Et tous les habitants aussi, d'ailleurs. Eh ben, moi aussi, je souhaite un bon Noël à tous les habitants de Montmirail. Et du courage aussi, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment, quoi, malheureusement. Mais voilà. Bon, on est là, tout va bien. Allez, salut. Salut. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment tu vas bien? Ça va et toi? Oh bah oui, ça va bien, merci. Alors, je me présente, je m'appelle Chocolat. Je suis un des reines du Père Noël. D'accord. Et juste avant la tournée, bah, je prospecte un petit peu parce que je compterais bien habiter ici. Je trouve que la ville a du charme. Donc, passer mes vieux jours ici, ça pourrait être sympa après la tournée. Alors, je regarde un petit peu tous les commerces qu'il y a et je me renseigne. D'accord. Alors, toi, tu fais quoi? Alors, moi ici, c'est tout le vin et les alcools. Et un petit peu de bière aussi. Ah bah alors Rudolf a dû déjà passer te voir. Il a un nez rouge, tu sais, à mon avis, il est porté sur la bibine. Hein. C'est le rouge qui fait ça. Ah, je me disais aussi. Et peut-être que le Père Noël aussi, parce qu'il est un peu rougeux aussi de temps en temps. Le Père Noël, il peut se fournir ici. Ah, et moi, je peux me fournir ici aussi? Oh oui. Ah, ça me paraît bien tentant tout ça. Bon, bah, je vais certainement passer un de ces quatre alors. Merci beaucoup pour ces informations et passe un joyeux Noël. À toi aussi. Merci. À plus tard. À plus tard. Salut. Salut. Oh bah te voilà. Oui. Bonjour Chocolat. J'ai couru derrière ta voiture. Ah bah oui. Trop contente de te voir. Bah moi aussi. Alors tu nous as contactés par le mail de la mairie, mais je cherchais ton magasin et je ne l'ai pas trouvé. Ah bah non, tu risques pas de le trouver. Hein. Ah bah pourquoi? C'est parce que je travaille à domicile. C'est ça ton domicile? Tu travailles dans ta oui, voiture? Oui, bah je prends la voiture pour aller chez les gens. Chez les personnes qui ont besoin d'aide, en fait, aux démarches administratives. D'accord, ah oui, je voilà. Comprends mieux. C'est pour ça, je fais du service à la personne et à domicile. Ah,
Voilà. Mais t'es jamais venu au domicile du Père Noël? Ben pas encore. Donc j'attends qu'il m'appelle. Ah bah, ou qu'il m'envoie un mail et puis il n'y a pas de souci, hein. Je peux venir au pôle Nord. Hein. Comme tu as fait pour nous contacter alors. Exactement. D'accord, par mail, c'est très bien. Oui. Eh ben super. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ces informations et je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, merci. Merci. Et à tous les habitants de Montmirail. Joyeux Noël à tout le monde.